Le plan national Tchad numérique 2017-2021, le document est soumis à l'appréciation des cadres et experts du secteur pour validation. Ce document servira de tableau de bord pour l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication ADTIC afin de placer les TIC au centre du processus du développement socio-économique et culturel pour les 4 années à venir. On en sait plus avec Kanouba Théophile. Les technologies de l'information et de la communication TIC ont servi de rampe de lancement pour le développement économique et social dans plusieurs pays à travers le monde. C'est fort de ce constat que le gouvernement du Tchad décide d'entreprendre une restructuration du secteur afin de créer des conditions optimales pouvant permettre aux TIC de booster autant que possible l'économie nationale. C'est dans cette vision que se tient cet atelier de validation du plan Tchad numérique 2017-2021 qu'organise l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication ADTIC. Cet atelier constitue donc pour l'ADTIC ultime étape avant de passer le plombeau au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies pour son adoption par le gouvernement et sa prise en compte dans le plan national de développement du Tchad 2017-2021. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication exhorte les participants à plus de sérieux dans les échanges. À travers ce plan, le gouvernement entend mettre en place un écosystème favorable à l'éclosion du numérique dans notre pays pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le directeur général du groupe Efficiency Management Technology, Bonaventure Beuleux, partenaire de l'ADTIC, se réjouit de la confiance renouvelée en son cabinet pour accompagner l'État dans ce projet capital.